été à un stage de chant choral à Lérida, Yehida. Et là, je me suis dit, je vais exercer mon espagnol. Et je n'ai pas entendu un mot d'espagnol, parce qu'on ne parlait que catalan. Et c'était comme ça que j'ai appris le catalan. Et que j'ai fait mon mémoire de licence sur un poète catalan qui s'appelle Gabriel Ferraté. Pour moi, c'était une découverte extraordinaire, parce que Gabriel, comme vous le savez, vous connaissez Gabriel Ferraté? Oui. Certains connaissent un peu. Voilà sa sale gueule, là. Vous voyez, et alors quand je disais en Catalogne que je m'intéressais à la poésie de Gabriel Ferraté, on me disait, mais surtout ne croyez pas que Gabriel Ferraté soit représentatif de la poésie catalane, n'est-ce pas? Et moi, intérieurement, je leur disais, allez vous faire foutre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant?